Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors la dernière fois que je vous quittais, j'avais donc lu un petit peu Le sang des sept rois de Régis Collin, le premier tome. Donc c'est par celui-ci que je vais commencer, le livre premier. Donc c'était paru chez La Talente, un livre que j'ai eu aux Imaginales, donc de cette année. Que dire? J'en ai lu seulement 100 pages. Donc j'ai dû lire 60 pages de plus que la dernière fois où je vous ai laissé. Ça m'a passionnée énormément, je me pose plein de questions. Après c'est vrai que c'est de la fantasy adulte et du coup il y a beaucoup de petites choses à appréhender. De personnages à se rappeler parce que Régis Godin a l'air de bien aimer les personnages secondaires, donc à chaque fois il faut s'y replonger et malheureusement je n'ai pas lu autant que j'aurais voulu pendant mes vacances. Alors du coup il me reste quand même encore 300 pages à lire de ce petit pavé, mais je pense que je vais finir assez rapidement cette semaine. Dans tous les cas je pense que j'aurai fini pour la semaine prochaine et pouvoir vous en parler un peu plus. J'ai lu ce week-end, donc j'avais une lecture commune avec The Show et la Luna. Vous relire le premier tome de June de Manon Farghetto, donc Le Souffle, qui est édité chez Rajo, Rajo Poche plus précisément. Alors, je dois avouer que forcément, Manon, c'est une de mes auteurs chouchou. À chaque fois que je vous en parle, on croirait que c'est la meilleure auteure du monde, mais presque, c'est presque ça. Parce que le premier tome de June n'avait pas été pour moi un franc coup de cœur puisque la première fois que je l'ai lu, puisque j'avais trouvé quelques longueurs malgré une trame super intéressante et des personnages que j'avais beaucoup appréciés. Et là, je dois dire que cette réédition a très bien été réécrite, sans voir de gros changements dans l'intrigue principale. Franchement, j'ai adoré. Manon a gommé les petites longueurs que j'avais perçues sur ma première lecture. Et je dois avouer que ouais, ça a été passionnant. J'ai eu du mal à décrocher. Je l'ai lu en plusieurs fois ce week-end, mais je l'ai dévoré. À chaque fois, je lisais 30-40 pages, mais assez vite. Et ça me fait super plaisir de retrouver son écriture, vraiment. Quand on est à jour dans les publications d'un auteur, c'est assez difficile quand on aime le lire, parce que je trouve que du coup on attend toujours un nouveau livre pour pouvoir se régaler encore et encore, et du coup là, cette réédition de Dune me fait plus que plaisir, puisque j'ai adoré vraiment la relire. Donc les filles ont le même sentiment que moi, donc je suis vraiment ravie puisque je ne suis pas la seule du coup à être complètement dingue. Et pour vous résumer un peu, sans spoiler évidemment, donc on suit June avec son frère Loki. June, alors elle vit dans une ville et en fait toutes les villes sont séparées, il y a très peu de villages. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi ils vivent dans cet enfermement, et en fait on le découvre au fur et à mesure avec June et son frère qui sont obligés de partir suite à un événement qui se passe en ville tout en premier. Et donc on les suit dans une quête initiatique, d'apprentissage, vraiment c'est super bien, c'est un tome que j'ai adoré, et vu que j'avais, pendant ma première lecture, j'avais beaucoup plus aimé le tome 2, bah, j'ai vraiment hâte de le lire parce que là je me dis que vraiment ça va être encore plus extra que la première fois, donc voilà. Je vous invite fortement à découvrir cette série. J'avais déjà vraiment appuyé mon avis dessus quand j'avais lu le tome 2 l'année dernière, après les Imaginales 2013. Et alors que là on ne savait pas du tout quand le tome 3 allait sortir, là je vous informe que cette série est terminée puisque le tome 3 va sortir début octobre. Donc jetez-vous dessus si vraiment vous aviez peur de ne pas avoir la fin de la trilogie. Là vous n'avez plus aucune excuse pour découvrir Manon. Voilà, j'en ressors extrêmement contente d'avoir retrouvé sa plume. J'aime la façon dont elle nous fait voyager, dont elle nous fait part d'elle-même et de ses voyages. Voilà,
Franchement, jetez-vous dessus, aucune excuse pour passer à côté. Voilà, donc je vous le conseille vraiment vivement et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 avec les filles, puisqu'en fait, avec The Shui, nous nous rendons aux Aliénales, donc près de l'île le 10 octobre, ou non, non, le 10, pardon, et le 11. C'est le 11, puisque c'est le samedi. Et donc je suis enchantée parce que je vais revoir Manon, je vais pouvoir acquérir le tome 3, puisque je ne suis pas bloquée avec les achats, puisque dans le défi de Petite Elfe, on peut acheter un petit peu en festival. Donc voilà, je vais pouvoir voir Manon, je vais pouvoir lui dire merci pour cette super aventure, parce que j'ai passé une très très bonne lecture avec ce premier tome de June, voilà, donc j'ai hâte de la voir, qu'on en parle un petit peu, et puis de lui acheter le tome 3. Donc du coup, avec Natacha, The Fou, on a envie de lire les deux tomes avant d'aller la voir, et pouvoir en reparler avec elle, voilà, et pouvoir lire le tome 3 sereinement, assez rapidement aussi d'ailleurs après. Enfin, je pense que The Fou, il y a la même envie que moi, du coup, de découvrir la suite. Donc, nous sommes toutes très impatientes. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et aussi savoir si vous avez lu vous aussi June, la réédition ou l'ancienne édition de chez Mango. Ça m'intéresse fortement, voilà. Donc, vous avez vu, on a changé un peu de décor. Cette fois-ci, vous avez vu ma bibliothèque spéciale BD et autres qui est presque toute pleine, n'est-ce pas? Voilà, donc n'hésitez pas du tout à me donner votre avis. Et puis je vous retrouve mercredi pour un prochain pour un tag, voilà, que je vous ai préparé. Et lundi prochain, je vous retrouve pour un nouveau C'est lundi. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine livresque et à très vite.